Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'aréna Salaberry à Valleyfield. C'est le dernier match à la maison des Braves pour l'année 2022 et ils tentent de revenir d'une défaite, mais cette fois-ci, ils seront face aux Condors du cégep de Beauce-Appalaches. On va aller voir David Rochon pour en savoir davantage. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. David, là, on revient, on avait une belle série de victoires, mais là, le Collège français nous a fait mal. Comment on fait pour retrouver le spark, surtout en ce dernier match à la maison de 2022? Bien, tu sais, je pense que tu l'as dit, là. Effectivement, on a eu un match difficile à Longueuil sur un 2-2 avec... on n'avait pas beaucoup de gaz dans le tank, là, mais tu sais, c'est pas... à soi, on n'est pas là pour se venger de notre échec à Longueuil. On est plus là pour juste retrouver nos bonnes habitudes. Puis retrouver le spark, c'est jamais... c'est jamais vraiment difficile de trouver un spark à la maison. Là, c'est la dernière. C'est la dernière avant la période des fêtes. On sent les vacances approcher, là, avec les matchs partout demain qui ont été cancellés. Donc, à la maison, c'est comme je disais, là, c'est jamais difficile. Là. C'est notre job de se motiver, de s'assurer d'être prêt, de jumper quand ça part. On sait qu'on affronte une équipe structurée, une équipe travaillante. Là. C'est pas une vieille équipe dans notre circuit, mais déjà, ils ont fait des preuves. C'est un programme solide. Fait que, on sait qu'on va avoir un bon match de hockey pour terminer l'année 2022. Oui, bon, on a très hâte de le voir, puis on espère que les gars vont être motivés justement par ce dernier match. Merci, David. Merci. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la discussion de ce match opposant les Braves de Valleyfield au Condor du cégep de Beauce-Appalaches. Match disputé à l'aréna Salaberry de Salaberry de Valleyfield. Alors, les Braves disputent un dernier match avant la pause des fêtes, donc dernier match en 2022. Après ça, ce sera en janvier 2023. Et plusieurs absents ce soir du côté des Braves, dont Mathieu Bolduc, Mathis Meilleur, Étienne Parent, capitaine, Jesse Carrière, qui a été rappelé par le Phoenix de Sherbrooke, Félix Perron et Griffin Freytag. Alors, pour débuter, le trio de Barry au centre avec Zachary Roy et Nathan Lévesque, donc nouveau trio. Pour les Braves qui, on se souvient, ont gagné jeudi dernier à l'Arena Salaberry, mais ont perdu le lendemain à Longueuil face au Collège français par la marque de 5-0. Donc, des changements pour les trios apportés par David Rochon. Voici interception de Nathan Lévesque, celui qui est maintenant 8e marqueur de la Ligue. Passe à Alpha Barry. A tenté pour Roy, mais là, c'était... coupé en défensive et ça a failli causer un surnombre. C'est Côté pour les Condors qui étaient en échec avant. Émile, et là, changement complet du côté des Braves. Et Carrière est présent, donc on ne le voyait pas sur l'alignement. Donc il est de retour du Phoenix de Sherbrooke. Justement, c'est lui qui a la rondelle, passe à Nat Brown vers O'Driscoll. Il va former un trio là, avec Bourboin et Séguin. Passe à Zachary Séguin, arrêt du gardien William Gagné. C'est Carrière qui garde la rondelle, mais finalement, sorti là, de Hébert du côté des Condors. Voici Alexis Bourboin, le 23-20 ans, passe devant. Ça rate de peu là, pour... Les enjeux gagnés par les Condors. Là, Saint-Louis tente de garder la rondelle dans le territoire. Passe pour O'Driscoll. Manque de précision et dégagement du défenseur Philippe Vézina, mais il a failli frapper son coéquipier là, dans le banc des pénalités. La rondelle qui a touché la baie vitrée latérale là, dans le banc des punitions. Lévesque à la mise en jeu. Là, pour la deuxième fois, ce sont les Condors qui... Cette fois-ci, gagnent la mise en jeu à Bourboin. On est installé dans la zone des Condors. Bourboin, à la pointe droite pour Saint-Louis. Vers O'Driscoll. Passe en croisée pour... Devant le but! Nathan Lévesque fait l'évier! La passe d'Alexis Bourboin! Nathan Lévesque avait marqué 3 buts dès la première période
Et là, avec 1 minute 58 de jouer, en avantage numérique, passer de la 9e position des marqueurs jusqu'à la 5e. Les Braves qui n'ont pas compté le lendemain, vendredi, donc je crois que Lévesque était, avant le début du match, en 8e position, avec Rochette, Martel à la pointe gauche, elle passe la rondelle pour Lamar, Alexandre Lamar vers Martel, Labbé. Là, on s'échange rapidement la rondelle. Labbé, là, on tente, passe devant. Beau jeu de Nat Brown qui a intercepté. Martel. Passe côté gauche, Martel, retour à Lamar. Alors, les assistants, Alexis Bourgoin et Mathis Odriscoll sont le but de Nathan Lévesque, alors que se poursuit l'avantage numérique. Condor, Labbé. Tir de Martel, plutôt c'est une passe vers Rochette. Là, la rondelle qui n'a pas quitté le territoire depuis le début. La pénalité a déjà plus de 50 secondes écoulées. Cette fois-ci, c'est Hamel, je crois, qui a fait dévier et Rochefort a lancé à l'autre bout. Moins d'une minute à faire au jeu de puissance des Condors. Attaque menée par William Lepage. Remet derrière. Oh, Martel qui a fracassé son bâton. La Bourbon a failli avoir une échappée. Le gardien sorti de son filet, gagné pour lui enlever la rondelle. Alors, avec 35 secondes à faire à l'avantage numérique. Lepage. Derrière le but, Simon qui intercepte, mais passe coupée par Plamondon. Derrière le but. Tir. Arrêt qui a quoi, été bloqué par Jesse Carrière. Et Mondel qui a dévié sur un bâton. Alexandre Rochefort, Nat Brown et Carrière en défensive. On se bataille pour la rondelle sur la mise en jeu. Labbé! Oh! Arrêt de Jasmin Simon qui a regardé derrière lui. Il n'était pas sûr si la rondelle avait passé entre ses jambières, mais finalement, il a réussi à mobiliser la rondelle entre ses deux jambières. 14 secondes encore à faire. Et là, on gagne la mise en jeu. Et Rochefort qui... Saint-Louis, par la bande, devant, et Barry fait voler un but par William Gagné. Barry gagne la mise en jeu vers Zachary Roy. Gagne sa bagarre le long des rampes. Roy vers Xavier Black, devant, Barry fait dévier, mais à la gauche du gardien Gagné. Roy, le roi du, des Condors, il s'agit de Jérémy. Et face à Zachary Roy des Braves, c'est lui qui a la rondelle, le tir. Et arrêt facile de William Gagné. Les Braves ont maintenant 5 tirs au but, 2 pour les visiteurs. Alors, première présence là pour O'Connor, Beaudin et Alexandre Legault. Ah, beau jeu là du nouveau venu, Hamel. Il arrive en provenance de Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Un tir arrêté du bloqueur par Simon. 14 minutes 15 à jouer en première. On ramène 1-0. Là, c'est Legault qui a su éviter la mise en échec de Vézina. Un beau jeu, une belle anticipation là, de Legault. Avec Beaudin, lance en fond de territoire et on procède à des changements. Défenseur Hamel
remplacé par Nat Brown. Là, Beaudin qui va à un changement également. Laissera au corner. Là, c'est Nat Brown qui anticipe le jeu. Arrêt du gardien gagné. O'Driscoll. La rondelle revient à Carrière derrière le but. Pour Zachary Séguin. Au corner, là, qui est toujours présent, qui était sur le trio précédent. Et là, va être changé pour Alexis Bourboin. Simon remet la rondelle à Nat Brown. Le trio de Séguin, Bourboin et O'Driscoll. Avec un peu plus de 13 minutes à jouer en première. Voici Mathis O'Driscoll. Lui aussi connaît une excellente séquence. Fait le tour du filet. À la pointe gauche pour Saint-Louis. Tire, arrêt du gardien gagné. On a tenté de faire dévier, mais finalement, le gardien a pu voir le tir facilement. Là, c'est Vézina. Passe intercepté par Bourboin alors que Séguin est hors-jeu. Les enjeux là, disputés entre Lévesque et Charles-Étienne Hébert. Les Condors ont pris possession, ont lancé dans le territoire des Braves. Là, c'est Nat Brown, tente de sortir. Interception, là, c'était dangereux. Bel arrêt avec son bâton de Jasmin Simon. C'était gagné par Bourboin, mais directement sur le bâton, sur le filet des Braves. Là, et Simon a dû faire un arrêt. Passe à Jesse Carrière. Comme on disait en début de reportage, là, qui a disputé quelques matchs avec le Phoenix de Sherbrooke. Avant de revenir avec la formation locale. Derrière le but, plutôt c'est Bourboin à la pointe. Tir dévié par Martel jusque dans le filet protecteur. Avec une présence avec Rochefort. En raison des punitions, là, il y a quelques joueurs qui n'ont pas pu prendre leur tour régulier. Voici Dylan Denis. Belle passe là pour Leblanc. Tire facile à parer du côté des Condors derrière le but. C'est le gardien gagné. Remet son défenseur Vézina. Là, c'est Huot qui pourchasse le défenseur Poirier. Tire dans le fond de territoire des Braves. Hamel a réussi à sortir la rondelle, mais là, ce sont les Condors là, qui menacent. Roy devant. Oh, quel arrêt de la mitaine de Jasmin Simon au dépens de Alexis Gagné. Lévesque face à Jean-Raphaël Roy. C'est gagné par les Braves. Barry vers Saint-Louis, mais ça passe qui rate là, vers Zachary Roy. Ça permet au Condor de s'établir dans la zone des Braves. Mais là, c'est sorti de Lévesque pour Zachary Roy. Saint-Louis lance derrière le filet des Condors. Attaque de Thibault. Beau jeu de Barry qui enlève la rondelle. Lamar avait peut-être matière hors-jeu, mais on ne l'a pas vu comme ça du côté des juges de ligne. Là, une passe devant et Simon saute sur la rondelle. Alexandre Lamar qui a tenté tir au but 8-7 en faveur des Braves. Là, on a gagné la mise en jeu du côté des Braves, mais on a pu récupérer. Et finalement, Benjamin Leblanc là, qui fait une sortie. Leblanc traverse la ligne bleue, Ramel Legault. Et surveillé étroitement. Là, c'est la riposte de Xavier Labbé. Et il y avait un hors-jeu assez facile à détecter. Le but de Nathan Lévesque qui prévaut là, pour les Braves qui mènent 1-0. Martel remet à Labbé. Passe transversale pour Plamondon. Bien surveillé là, par les Braves et Leblanc. Remet à Beaudin, lance derrière le filet. Le gardien gagné. Laisse la rondelle pour son défenseur vers Labbé. Là, on est à 2 contre 3. Tire, passe sous la mitaine de Simon, mais complètement à sa gauche. Gosselin à la ligne bleue. Lancé qui rate le filet. Nathan Plamondon vers Gosselin.
tire du bout du patin arrêt de Simon qui... La rondelle a sûrement dévié. Simon s'en allait dans l'autre direction. Là, c'est O'Connor. Il fait subtiliser la rondelle par Gosselin, mais à son tour, surveillé par O'Driscoll. Et Gosselin dégage que dans le fond du territoire des Braves. Là, c'est Jesse Carrière pour Nott Brown. Par la bande vers O'Driscoll. Alexis Bourboin qui a une passe sur le but de Lévesque. Passe devant! Et Zachary Séguin, ça a arrêté de justesse. Voilà Bourboin qui a frappé durement. Le numéro 8, William Lepage. Nott Brown. Sa passe qui ne sort pas du territoire. Alors que Bourboin a frappé encore une fois Lepage, mais là, le bras de l'officiel qui s'est levé. On juge qu'il y a pénalité. Alors, quel sera le... La mise en jeu dans Raphaël Roy, c'est gagné par Barry. Qui pousse derrière pour Nott Brown. Là, c'est repris par Simard. Tire de l'enclave qui a dévié sur le patin, je crois, de Hamel. Et Simon a fait un bel arrêt. Et Hamel a lancé à l'autre bout. 20 secondes écoulées à l'avantage numérique Condor. Voici Simard. Remet pour l'abbé. Traverse la ligne bleue. Échappe la rondelle et le numéro 11 des Braves, Milan Hamel, qui lance à l'autre bout. Troisième match de son arrivée avec l'équipe Campy-Valencienne. Passe qui rate pour la baie. Là, on est à 2 contre 0. Passe et O'Driscoll a échappé le relais de Zachary Séguin. O'Driscoll ne lâche pas. Pendant ce temps-là, les secondes s'écoulent. Interception de Carrière. Tire et la but! Jesse Carrière! 2-0, Braves! Il est allé marquer avec un superbe tir dans la partie supérieure. 2-0, Braves! Encore 52 secondes. La pénalité à Alexis Bourboin. Champagne. Il a tourné la rondelle derrière le filet. Là, c'est à la pointe droite, c'est Plamondon. Vers côté. Tire arrêté facilement par Jasmin Simon. Alors, but sans aide là, de Jesse Carrière. Lepage. Et la passe pour Champagne. Là, c'est échappé par le numéro 15, Nathan Plamondon. Et avec seulement que 12 secondes à faire à la pénalité, les Braves qui sont en bonne position là pour empêcher les Condors de réduire la marque. Voici Lepage. Et pénalité terminée. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Le joueur a quitté simultanément. Oh, passe de Roy pour Lévesque. Ça a failli être... positif. Là, c'est touché plus haut que la hauteur normale par les Braves, mais c'est repris par Zachary Roy. Il est avec Beaudin et Lévesque. Lévesque, seul devant le défenseur, tire du revers. Arrêt de William Gagné. Beaudin, la mise en jeu, c'est gagné par Jean-Raphaël Roy. Remet à son défenseur, mais là, une passe qui rate complètement, mais on juge qu'il n'y a pas de dégagement puisque Alexandre Lamarre était plus rapide que Leblanc là, au tir de mise en jeu. Plutôt au cercle de mise en jeu. Voici Leblanc vers Lévesque. Un lob. C'est repris par Zachary Roy. Il est avec Beaudin. Beaudin qui se fait retenir par Gosselin. On ferme les yeux. Voici Lévesque. Et Thibault lui enlève la rondelle. Benjamin Leblanc reçoit la mise en échec de Thibault. Roy pour Lévesque. La seule devant trois joueurs des Condors. Une passe qui a été interceptée, mais le filet, encore une fois, qui s'est décroché. Huot et Rochefort. Les enjeux gagnés vers Black. Saint-Louis dévié par Denis, mais ça a passé à la gauche du gardien gagné. Black vers Deline Denis.
Remet à Xavier Black de l'autre côté pour Saint-Louis. Tire. Huot a fait dévier, mais Rondel s'est immobilisé. Voici Rochefort. Passe vers Huot. Devant pour Dylan Denis. Alors, belle tentative de, pour ce trio. Le Rochefort qui fait la rondelle vers Xavier Black. Lancé. Arrêt de William Gagné. Black a un excellent tir. Gagné par Rochette. On se passe la rondelle entre les deux défenseurs. Et une passe qui a manqué totalement de précision vers Plamondon. Voici Benjamin Leblanc. C'est lancé en attaque de sa position de défenseur. Tir qui a dévié sur le bâton d'un défenseur pour Rochette qui, à nouveau, gagne la mise en jeu. Vers la baie. Passe trop longue. Et on juge qu'il n'y a pas de dégagement, là, même si Leblanc avait devancé Plamondon là, pour la rondelle. Voici Labbé. Traverse la ligne bleue. Surveillé par O'Connor. Fait demi-tour. Côté à la pointe droite. Spinorama revient demi-tour de l'autre côté. Passe devant. Bel arrêt de Simon. Et le retour à frapper le poteau. Le numéro 88, Xavier Labbé. Avait une cage béante sur le retour après l'arrêt de Simon et il a touché le poteau du côté gauche de Simon. Lancé d'Émile Côté, trop haut. Et là, c'est une menace qui se poursuit là, du côté de Beauce-Appalaches. Mais finalement, Audrey Scull remet à Baudin. Il va procéder à des changements sur les attaquants des Braves. Là, c'est attaque de Labbé. Les Condors forment une équipe offensive, quand même rapide. Les Braves devront continuer d'appuyer sur le pied sur l'accélérateur. 2 minutes 40 à jouer en première. Dylan Champagne. Oh, bien joué par Séguin qui lui enlève la rondelle. Les Braves qui réussissent à fermer la zone neutre, là, empêcher les Condors d'orchestrer une attaque. Tire de la page qui dévie sur le patin de carrière. Audrey Scull, surveillé par Charles-Étienne Hébert, passe à Séguin. Séguin qui est frappé là, assez haut par Gosselin. Regardez l'officiel. Là, c'est Hébert. Passe à Martel. Passe qui manque de précision et carrière. On juge qu'il n'y a pas eu trop de joueurs sur la patinoire, comme réclamait là, l'équipe des Condors. Zachary Roy, belle passe pour Carrière, qui a déjà un but. Saint-Louis, tire sur réception. Là, Roy, passe est bloquée par le gardien Gagné. 1 minute 35 en première. Jesse Carrière pour Saint-Louis. Les Braves qui ont disputé une excellente période jusqu'à maintenant. Nathan Lévesque déjoue. Un premier toit des Condors. Barry a tenté la passe vers Roy. Ça a été coupé par Gosselin, le défenseur. Une minute 10 à jouer. Là, c'est une attaque dangereuse. Et Simon, deux fois, a fait l'arrêt. C'était Alexandre Lamar. Il a étiré la jambière droite. Pour voler un but à Alexandre Lamar. Moins d'une minute à jouer. Poirier, surveillé par Zachary Roy. Thibault à son tour, pourchassé par Barry. Zachary Roy tente une passe et ça a réussi à la deuxième tentative vers Saint-Louis. Oh, Audrey Scull qui a tout juste évité Vézina en croisant la ligne rouge. Mise en échec qui aurait fait mal. Et Simon et Séguin. Bourboin qui gagne la mise en jeu. Ça va jusqu'à Audrey Scull et Carrière. Réussit finalement à sortir la rondelle. Encore une quinzaine de secondes. Gagné derrière son but. Il n'a pas regardé là, plein sur le bâton de Séguin, mais finalement, la menace qui a été éteinte. Une seconde. Plamondon qui a tiré
Donc, il n'avait plus de temps au cadran. Donc, excellent départ pour les Braves de Valleyfield qui, après 20 minutes de jeu, mène par la marque de 2-0. Les tirs sont à égalité 12-12. On se retrouve donc au début de la deuxième période. Oh, montre-nous ton beau chandail. Oh! OK, on est prête? La papa aussi, là? Oh. Papa? 1, 2, 3, go! Go, Brave, go! Vous n'avez pas eu peur de la tempête ce soir? Vous venez voir, vous venez encourager votre équipe. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça ne nous empêche pas de rien faire. Alors, qui va gagner ce soir? Les Braves. Qui va gagner ce soir? Les Braves. Est-ce que vous avez entendu ça? Quelle équipe que tu viens voir ce soir? Braves. Je le devine avec ton beau chapeau. Mais j'ai pas compris. Quelle équipe tu viens voir ce soir? Braves. Yeah! Bonne game, la gang. Amusez-vous bien. Salut! L'équipe, vous venez voir? Les Braves. Excellent. Puis toi aussi, tu viens voir les Braves? T'as avec eux autres, ah oui. Mais vous prenez pour quelle équipe? Oui. Oui? Supposé être les Braves. OK, mais vous avez... Bon, OK, on les aime, nos Canadiens. Ça, c'est à l'extérieur, ça. C'est à l'extérieur. Ah, OK. C'est pas pour la chaleur. C'est pas pour l'honneur, c'est pour la chaleur. Mais à l'intérieur de votre cœur, c'est les Braves. Ben, fille, oui. Je suis avec un vrai Brave. Alors, début de la deuxième période, il y a eu trois pénalités. Une au Condor qui a coûté cher. Les Braves ont marqué. Les Braves qui ont pu tuer les pénalités là, de Benjamin Leblanc pour Udess et Alexis Bourboin pour obstruction. Alors, c'est reparti sur la patinoire. Benjamin Leblanc avec Milan Hamel, le nouveau venu. Là, une passe, c'est dangereux. Et finalement, on dit que le but n'est pas bon puisque le filet avait décroché de ses amarres. L'arbitre a jugé que le filet avait été décroché. C'est peut-être pour cette raison qu'il a réussi à pousser la rondelle dans le filet. Là, je crois qu'il y aura pénalité aux visiteurs. Blessure au haut du corps et ça va prendre juste au mois de janvier là, pour le défenseur de l'Abitibi. Alors, c'est Olivier Saint-Louis qui occupe la position de Carrière là, à la pointe droite. Donc, Bourboin est à la pointe gauche. Voici Audrey Scull. Passe vers Alexis Bourboin. On fait une pause à la pointe pour Saint-Louis. Là, Audrey Scull a tenté pour Zachary Roy, mais le joueur des Condors qui procède à un changement, là, Dylan Champagne avait prévu la passe. Voici Lévesque, l'auteur du premier but des Braves, vers Baptiste Audrey-Scull. Et là, Roy a voulu faire dévier pour Saint-Louis. Et ça a causé l'interception des Condors. Voici Zachary Roy, ancien de l'Armada de la Ligue junior majeure du Québec. Passe à Lévesque. Derrière le but, vers Audrey-Scull. À Saint-Louis, vers Bourboin. Passe qui était pour Audrey Scull, mais qui a touché le patin de Zachary Roy. Donc, avec 45 secondes à faire, à l'avantage numérique, on précède les changements. Alpha Barry avec Zachary Séguin et Baudin. Voici Barry. Là, la rondelle qui a été poussée là, un peu par inadvertance vers le filet, mais alors, Barry, Baudin et Séguin. Ça va jusqu'à Jesse Carrière. Auteur du deuxième but, vers Barry. Oh, une passe qui aurait pu être fructueuse là, pour Séguin, mais ça a touché un bâton des Condors. Derrière son but, c'est Jesse Carrière. Encore 15 secondes à l'avantage numérique. Passe à Zachary Séguin. Il perd la rondelle, a tenté de la garder dans la zone en plongeant, mais... Dégagement des Condors. Alpha Barry. Contourne. Passe devant pour Séguin. Et la rondelle, je crois, sautillait. N'a pu tirer là, à sa guise. La rondelle qui s'est en allée par-dessus le filet. Quel beau jeu d'Alpha Barry qui a repéré Zachary Séguin. Ça a bien failli être 3-0 Brave. Donc, la pénalité est terminée. On s'organise chez les Condors. Émile Côté vers la baisse. Ça peut être dangereux. Oh, bel arrêt de Simon qui
Portugal. C'est gagné par Bourgoin vers Hamel. La passe qui a touché les vitrées, ça fonctionne vers Bourgoin, mais trop long pour Séguin. Dégagement refusé au bras avec 16-44 à jouer. Le défenseur de l'Abitibi, Milan Hamel, Gosselin. Tire bien stoppé par Bourgoin qui passe à Séguin. Il traverse la ligne bleue. Là, Bourgoin face à Lepage. La bataille pour la rondelle. Là, Odriscoll va poursuivre l'attaque. Tente une passe vers Séguin. Là, c'est Bourgoin à Séguin. Odriscoll est devant le but. Là, Séguin se fait enlever la rondelle par Mathieu Martel. Voici Champagne. Oh, ça, cette pénalité à Hamel là, qui. Les deux hommes au chandail zébré là, qui ont levé le bras. C'était donc unanime pour avoir retenu. Donc, 16-4 à jouer en deuxième. Alors, une troisième fois en avantage numérique pour Beauce-Appalaches. Simard, surveillé par Rochefort. La rondelle touche le patin de Rochefort. Lamar. Simard passe devant, tir et le but de Alexandre Lamar, un tir sur réception. Guillaume de O'Connor, Legault et Baudin. Alors, on renvoie Hamel dans la mêlée, on fait confiance au défenseur de 17 ans qui a passé la première moitié de saison dans la Ligue collégiale avec Cégep de... Bonner gagne la mise en jeu vers Hamel. Leblanc pour Alexandre Legault. À Félix-Olivier Baudin. Et là, il a touché le juge de ligne en voulant lancer en fond de territoire. Séguin reprend. Plutôt Baudin. Intercepté par Gagné derrière son but. Là, Legault garde la rondelle dans le territoire. Et cette fois-ci, les Condors réussissent à entreprendre une attaque. Roy. Lancé faible à la droite de Simon. Là, tire. Frappé. Olivier Mathieu. Là, c'est une menace des Condors. Arrête Simon. Et finalement, Hamel là, qui réussit à couper une passe. Il se lance en attaque. Legault. Là, on fait des changements. Hamel lance vers le filet. Arrêt de William Gagné. Alors, il semble avoir un momentum là, du côté des Condors. Passe touché par Rochefort vers Nat Brown. Du côté de Huot. Huot à la pointe pour Carrière. Il a déjà un but. Mais là, a trop hésité trop longtemps, a perdu possession de la rondelle. C'est repris quand même par Rochefort. Passe ratée là, vers Huot, mais Dylan Denis incapable de garder la rondelle. Et Rochefort qui a pique une mise en échec vers le marqueur des Condors Lamar. Belle passe à Rochefort. Là, Denis là, qui a eu de l'obstruction à l'endroit de Dylan Denis. Tire de Nat Brown. Arrêt de William Gagné. Là, on a protesté du côté des Braves sur le banc. Il y avait une punition évidente aux dépens de Dylan Denis qui était environ à 10 mètres de la rondelle et qui s'est fait... Il a été retenu. Là, Champagne qui pousse Barry. Tu te pousses dans le dos. Hébert, passe ratée pour Lepage. Derrière le but. Carrière là, qui surveille. Hébert, là, c'est rondelle perdue. Champagne, devant le but et Zachary Roy qui... met un terme à l'attaque des Condors. Belle passe à Lévesque. Accompagné de Barry et Roy. Première passe de Lévesque. Coupé par Martel. Là, c'est Alpha Barry. Vers Black. Dévié par Barry. Tire de Roy. Et Lévesque qui marque encore une fois. Nathan Lévesque sur le retour. Yeah.
nouvel marqueur dans le camp des Braves, Nathan Lévesque. Alors, c'est repris par Alexis Beaumoin. Forme le trio avec Audriscoll et Séguin. Séguin accepte la passe du revers. Touche l'extérieur du but. Beaumoin. Ça manque de vitesse. Et là, on a accroché Beaumoin devant les yeux de l'arbitre. Voici Plamondon. Monton de Saint-Louis. Tire du revers. Je crois qu'il a été paré avec l'épaule par Simon. Voici Séguin avec Audriscoll. On est à 2-1, Séguin. Et là, c'est Xavier Labbé qui a retenu le bâton de Séguin pour l'empêcher de marquer. Alors qu'il avait un but ouvert. Beaumoin passe à Audriscoll. Les Braves sont menaçants. Remet à Beaumoin. Arrêt de gagner. Les Braves ont leur meilleure séquence de la deuxième période. Saint-Louis tire arrêté par le Gagné qui n'a rien vu. Il y avait de la circulation devant lui. Quand même, fait l'arrêt. Modèle qui s'en va jusqu'à Jasmin Simon alors qu'on procède à des changements. Olivier Saint-Louis. En défensive avec Xavier Black. Lance dans le fond du territoire. C'est le gardien Gagné. Passe la rondelle à Vézina. Trio de Denis Rochefort et Huot pour les Braves. Tire. Arrêt facile de Simon. C'était celui de Alexis Gagné. Avec 11 minutes 5 à jouer, les Braves connaissent leur meilleur moment là, de la deuxième période. Les enjeux gagnés par Roy des Condors. Et là, c'est Huot. Orellana a tenté de déjouer un défenseur, a perdu la rondelle. C'est repris par Jérémy Roy. Donc, il y a deux Rois du côté des Condors et nous avons Zachary Roy pour les Braves. Alors, qui va être Roy et maître ce soir? Jusqu'à maintenant, c'est 3-1 pour les Campus Valenciens. Voici Alexandre Rochefort. Les Braves tentent une sortie de zone. Huot réussit à le faire. C'est Jérémy Roy qui lance pour permettre à son équipe de procéder à des changements. Longue passe déviée par Baudin jusque derrière le but des Condors. Là, c'est O'Connor en échec avant. Rondel qui s'en va jusqu'à carrière, mais là, une passe de Baudin qui est interceptée par Thibault. Et les Braves relancent. Voici O'Connor, Benjamin. Passe pour Legault en avant, c'est stoppé. Baudin tente une passe vers Alexandre Legault. Là, c'est carrière. Tire! C'est comme tire-passe qui a été tenté en direction de O'Connor et ça a dévié par-dessus le filet. Comme maintenant, excellente sortie là, de la troupe de David Rochon contre une équipe qui est quand même dans le top 6 au classement. Là, c'est Lévesque qui se fait enlever la rondelle par Mathieu Thibault. Passe imprécise, Black vers Saint-Louis. Oh, passe de Saint-Louis qui est intercepté, mais heureusement. Et là, le tir et ça touche le poteau après que Simon ait fait en partie et fait l'arrêt. Alors, revirement des Braves qui a bien failli être coûteux. Lévesque pour Zachary Roy. Passe la rondelle entre les jambes du défenseur devant Saint-Louis. Ça aurait pu dévier sur Simard dans le filet. Et c'est l'arrêt de Gagné. Là, Roy qui a cherché le bâton de son adversaire, Alpha Barry, fait enlever la rondelle par côté. Et c'est Carrière là, qui met un terme à l'attaque. Zachary Roy passe à Nathan Lévesque. Carrière a voulu appuyer l'attaque, mais là, c'est intercepté. Champagne tire. Arrêt de Simon qui arrête tout, puis les Condors ont réduit, ont coupé de moitié cette avance et c'est maintenant 3-1. Là, il me semble que Gosselin a fait trébucher Audriscoll, mais on ferme les yeux. Là, un peu d'obstruction, on ferme les yeux. Jesse Carrière, derrière le but. Beaumoin. À la pointe pour Nat Brown vers Carrière. Tire à la droite du gardien.
Bourbon, là, les Braves qui contrôlent le jeu. S'échange bien la rondelle. Carrière. Change la ligne de tir pour notre Brown et... Oh, arrêt de gagner alors que... Est-ce que c'est Odriscoll là, qui s'est fait moucher le gant au visage? J'ai hâte de voir comment, qu'est-ce qui va résulter là, en termes de pénalité. Odriscoll qui littéralement là, s'est fait a reçu un gant en plein visage. Il semble donc qu'on va, on va égaliser de 2 minutes pour Udes de chaque côté. Mais c'était évident là, que ça a été provoqué par le mauvais traitement du joueur des Condors envers Mathis Odriscoll. Alors, c'est Félix-Antoine Amel Gosselin. Udes et Odriscoll pour les Braves. On est donc 4 contre 4. D'ailleurs, le but, c'est Philippe Vézina. On ne semble pas vouloir donner d'autres avantages numériques aux Braves. Et là, la rondelle a sorti de la surface glacée. Ça a frappé un pilier là, derrière le filet, mais le jeu se poursuit. Nathan Lévesque avec Zachary Roy. Desjoux Rochette. Saint-Louis s'attendait à avoir la passe, mais là, Lévesque se fait enlever la rondelle et se fait donner un bon petit coup derrière la tête. Barry, par la mise en jeu, c'est pris par Lepage. Alors, moment important du match, puisque c'est 4 contre 3. Il y avait déjà des pénalités doubles. Côté, vers la mort, retour à côté. Tir. Et là, ça a touché le bloqueur. Bel arrêt de Simon. Et la rondelle qui s'est en allée dans le filet protecteur derrière le but. À 3 contre 4. Côté. Beaucoup d'espace là pour s'échanger la rondelle. Ça revient à côté. Lamar qui marque. Le deuxième but de Lamar de la même façon sur un tir sur réception. Et c'est là que vient les décisions des officiels là, qui viennent vues à l'endroit de Nathan Lévesque. Alors, avec 6 minutes 40 à jouer, 3-2, la Séguin étendu de tout son long à tenter du revers, mais il avait perdu pied. Là, on joue à 4 contre 4. Passe vers Thomas Simard, derrière le but, surveillé par Nott Brown. Là, c'est Carrière qui passe à Nott Brown. Alors, c'est le Alexandre Lamar qui a les deux buts. Les deux en avantage numérique et les deux de la même façon. Zachary Séguin. C'est repassé la rondelle devant. Séguin, ça manquait de précision. Beauvoir a tenté de le rejoindre, mais la passe était trop vive. Labbé. Alors qu'il reste 5 secondes aux pénalités doubles. Tir de Poirier qui rate à la gauche de Simon. Et là, on revient à 5 contre 5. Huot lancé dans la mêlée avec Rochefort et Dylan Denis. Alors, les Braves qui connaissaient de bons moments avaient un peu de contrôle du match et sont fait avoir véritablement sur la dernière pénalité. Ça a coûté un but. Rochefort, durement à l'endroit de la mort. C'est lui qui a un doublé pour les Condors. Rochefort vers Huot. Passe à Dylan Denis. C'était au bout de son bâton. Il a pu s'emparer de la rondelle. Huot reprend. Derrière le but, c'est Émile Côté. Et sorti des Condors avec Lamar. Il faut le surveiller, celui-là. Il a tout un lancé. Tire de la pointe qui dévie juste à la gauche, plutôt à la droite de Simon. Vézina. Tire qui rate. Il revient devant le but. Là, c'est attaque qui se poursuit. Là, Thibault et Dylan Denis. S'empare la rondelle.
vers Hamel et Rochefort et la met derrière pour Huat. Il est avec Dylan Denis. Tir de Huat, l'arrêt de William Gagné. Un 23e tir pour les Braves avec 4-24 à jouer en deuxième. Là, c'est Black. Du revers, ça touche le bâton de Maxime Poirier. Baudin surveille Jean-Raphaël Roy. Et Black n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Mais on juge qu'il n'y a pas de dégagement. Olivier Saint-Louis, derrière son but. Passe trop longue pour Baudin, mais O'Connor lance derrière le filet des Condors. Là, c'est Gosselin qui a perdu pied. Attaque maintenue par les Braves. Black. Devant la passe à Legault. Le retour et le but! Benjamin O'Connor fait 4-2. Braves. Alors, à chaque fois que les Condors se sont approchés à un but, les Braves ont repris leur priorité de deux filets. Leblanc pour Zachary Roy. Passe à Barry. Devant, et là, Lévesque a été poussé devant le filet. Il y avait d'obstruction, ce qui a privé les Braves d'un but, mais les pénalités sont rares, là, de côté des Condors. Voici Alpha Barry, devant. Oh, bel arrêt de gagner du bout du patin. Champagne, surveillé par Nathan Lévesque. Alors, trio, là, qui est menaçant à chaque présence sur la patinoire. Alpha Barry avec Zachary Roy et Nathan Lévesque. Là, Carrière qui a perdu pied, quand même reprend la rondelle vers Benjamin Leblanc. 2 minutes 43, deuxième période. Les Braves mènent 4-2. Et dégagement refusé aux Braves. Trio de Bourgoin, O'Driscoll et Zachary Roy qui n'avait pu changer. Voici un retour là, capté par Roy qui veut procéder à un changement. Alors, des dégagements refusés au Condor. Là, on a un Bourgoin qui est droitier, donc c'est avantageux pour la mise en jeu. Voici Vézina derrière le but. La main vers Poirier. Dylan Champagne. Surveillé par Bourgoin. Là, Séguin se fait harponner la rondelle, mais Nott Brown reprend. Défenseur des Braves vers Séguin. La rondelle qui est sautillante, là, avec 1 minute 53. Beaucoup de neige sur la surface glacée. Là, Séguin qui a eu encore une fois une excellente chance. Nott Brown tire. Il est bloqué en défensive par les Condors. C'était Dylan Champagne. Alors, si les Braves peuvent conserver leur avance de deux buts en cette fin de deuxième période, Nott Brown remet à Carrière. Là, c'est... Il faut enlever la rondelle. Là, c'est dangereux. Du coup, et quel arrêt, Simon! Deux fois! Et le but. Une erreur en défensive là, qui coûte un troisième but aux Braves. Un revirement là, qui coûte cher aux Braves avec seulement que 75 secondes à jouer dans la période. Lamar, auteur des deux premiers buts des Condors. Arrête Simon. Black qui, avec son gant, dégage. Et là, on a failli prendre le retour. C'était Mathieu Thibault. Moins d'une minute à jouer. Les Braves doivent se ressaisir là, en cette fin de période et garder au moins une avance d'un but. Ouais. Arrêt. Le retour, encore une fois. Simon qui fait l'arrêt. Tire. Arrêté par Zachary Roy. Beau jeu défensif. La passe trop longue pour Lévesque et ça sera dégagement refusé. Gagné par les Condors. Hébert. Surveillé par Lévesque qui tente de lui enlever la rondelle. Là, un tir qui aurait pu sembler décevant, là, mais que ça a été touché de la mitaine par Simon. Alpha Barry.
avec 10 secondes. Lévesque avec Roy, 2 contre 1. Et Roy, l'arrêt de gagner, la rondelle lui a échappé, comme je disais tantôt. Une épaisseur de neige là sur la patinoire en fin de période, et ça, ça vient tout un but là au Brave. Roy qui avait une chance de marquer, la rondelle lui a échappé. Donc, avec deux périodes déterminées, les Braves sont toujours en avant, mais par la marque de 4-3, on vous revient pour la troisième période. On est avec l'entraîneur David Rochon. Et en fin de match, on va voir Mathis Odriscoll. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de lui, cette demi-saison? En fait, c'est encore un jeune joueur à 18 ans là, qui nous est arrivé à la période des fêtes l'année passée. Grosse amélioration par rapport à l'année passée dans cette prise de décision, ces choses-là. Mais c'est un petit gars qui travaille fort, il a tout le temps la pédale au plancher. Là, on vit des fois avec ses petites erreurs parce qu'on adore son ardeur au travail jour après jour. On sait ce qu'il va nous donner. On sait quel genre d'énergie qu'il amène à l'arena. C'est vraiment bon d'avoir quelqu'un de vraiment beau. Bien, merci pour on a hâte de le voir en fin de match. Et revenu à 2 buts d'écart, 4-2. Alexandre Lamar, encore lui, sur un avantage numérique, son 19e à 13-16. Justin O'Connor, son premier, avec l'aide d'Alexandre Legault et Xavier Black, 4-2 Braves. Et finalement, avant que la période se termine, Charles-Étienne Hébert a fait 4-3. C'est là que nous sommes maintenant. On avance d'un but pour les Braves. Et, on a vu un changement, Alpha Barry qui n'a pas pris la mise en jeu. Et là, rondelle déviée devant le filet. C'est 4-4. Question complètement. Alors, la marque est égale. Les Braves ont eu 3 avances de 2 buts. Et là, on revient à la case départ. Justement, les tirs sont 29-29. La marque 4-4. Xavier Black vers Saint-Louis. Derrière son but, et la ligne rouge, c'est le gardien gagné. Passe captée par Charles-Étienne Hébert. Là, c'est Séguin. Tire! Le gardien ne voyait absolument rien là-dessus. Ça a touché la jambière. Le défenseur est là. Séguin a tenté de faire dévier vers Odriscoll. Alors, les Braves, au moins, qui ripostent là, après avoir vu les Condors égaliser les chances. 1 minute d'écoulée. Là, c'est Bourboin. Entreprend une attaque. Passe à Odriscoll. Séguin a tenté de s'échapper du défenseur Martel. Et là, c'est contre-attaque Labbé. Passe devant Hébert. Et le but. Incroyable. Après 1 minute 20, les Braves qui passent d'une avance de 4-3 à un déficit de 5-4. C'est du revers d'Hébert là, qui s'est échappé. Il avait eu surnombre favorisant les Condors. Et là, cette fois-ci, Jasmin Simon, la rondelle est passée entre sa mitaine et sa jambière. Alors, début difficile là, pour les Braves en cette troisième période. Là, c'est la page. Passe à l'enclave pour Champagne. Étroitement surveillé par Huot. Là, Huot mène un 3 contre 2 avec Rochefort. Passe à Carrière. Tire! Là, le retour qui va directement sur le bâton d'Alexis Gagné pour Beauce-Appalaches. Gagné devant. Il était dévié par Carrière, beau jeu en défensive. Le joueur des Condors était seul sur le flanc gauche. Tire sur réception d'Alexis Gagné à Red Simon. Donc, Huot, là, qui est une mise en échec à Émile Côté. Derrière le but,
Condor menace Simard. Des chauvels par Dylan Denis. Ça, ça permet à Nat Brown de rejoindre Rashford, mais malheureusement, on ne pourra procéder au changement puisque c'est dégagement refusé aux Braves. Là, il faut se ressaisir du côté des Braves. Et pour la première fois dans le match, on va venir de l'arrière. En cette dernière rencontre de l'année 2022, la saison qui va se poursuivre en janvier 2023, Alpha Barry. On a réussi au moins à faire un changement. Barry a pris la mise en jeu. Là, c'est Roy pour les Condors. Beaucoup de temps de possession depuis le début de la période là, pour Beauce-Appalaches. Plamondon, surveillé par Rochefort. Là, c'est Jérémy Roy, perd la rondelle à Leblanc, mais là, passe interceptée. Plamondon. Et Leblanc a corrigé sa bévue. Rondelle qui est récupérée par Vézina derrière son filet. Trio de Barry, Roy et Lévesque. Thibault. Là, le joueur des Condors qui est allé frapper Jasmin Simon. On juge qu'il a été poussé par un joueur des Braves. Saint-Louis vers Barry. Point de patinoire pour Lévesque. Zachary Roy n'a pu capter la passe et là, c'est contre-attaque. Lamar en quête d'un tour du chapeau pour les Condors. Tire de 77 Roy. Arrête Simon. Là, c'est Lévesque. Deux contre un avec Roy. Et là, il s'est fait soulever le bâton par Mathieu Martel en repli. L'attaque se poursuit. Zachary Roy. Vers Xavier Black, modèle qui dévie et qui prise par Thibault. Mais là, il échappe la rondelle à Bourboin devant. Et Lévesque a presque une chance de pousser la rondelle au fond du filet. Alors que les Braves procèdent à des changements, c'est Martel. Tire dans la baie vitrée. Audrisca, la Séguin. Aurait pu s'en aller seul et c'est Émile Côté qui a intercepté. Devant l'attaque dangereuse de Rochette. Simard à la pointe gauche. Bien arrêté par Carrière. Longue passe pour Séguin. En demi-échappé. Et là, le défenseur Côté a fait dévier, mais ça a pu facilement se retrouver au fond du filet. Séguin avec une dure mise en échec à l'endroit de Hébert, et c'est le but. Alors, rien ne va plus. 6-4. Beauce-Appalaches. Les Braves venaient 4-2 en fin de deuxième. Se sont fait marquer avant la fin de la deuxième période. Et là, 3 buts sans riposte des visiteurs. Et David Rochon qui demande un temps d'arrêt puisque on dit les Condors ont renversé la vapeur. Et avec un déficit d'un but, les Braves qui se sont portés à l'attaque ont tenté des percées. Il y a eu des 2-1, mais la contre-attaque là, qui a fait mal, surtout lors des 2 derniers buts. Les Condors qui ont pris les Braves à contre-pied et ont marqué sur des surnombres. Et encore beaucoup de temps, 14 minutes 54. Là, les Condors maintenant 34 tirs et 30 pour les Braves. Le trio d'Alpha Barry, Zachary Roy et Nathan Lévesque.
avec Hamel et Leblanc en défensive. Roy. Passe déviée par Poirier. Roy reprend. Zacharie Roy pour Lévesque. Hamel. Paris du bloqueur par Gagné qui fait un autre arrêt sur un tir de Benjamin Leblanc. Alors, les deux derniers lancés par les membres de la brigade défensive, Hamel et Benjamin Leblanc. Les enjeux, les 27. Champagne face à Nathan Lévesque. Alors, Mondel qui est sorti du territoire par Alexis Gagné. Alors, c'est Benjamin Leblanc. Défenseur qui se lance en attaque. Échappe la rondelle. Repris par Philippe Vézina. Voilà que les Condors tentent de s'échapper. Là, on attend la bombe. Et là, pendant qu'Amel s'est lancé pour tirer, Mathieu, lui, venait d'arriver d'un changement. A soulevé son bâton. Dégagement accepté. Voici numéro 2, Philippe Vézina. Passe à côté. Alors pour les Braves, c'est Beaudin, O'Connor et Legault. Les Braves ont besoin d'au moins deux buts. Émile Côté pour Mathieu. La ligne rouge, c'est Saint-Louis. Passe devant. Beau jeu en défensive de O'Connor qui a intercepté la passe. Saint-Louis laisse pour Xavier Black. Les Braves doivent se lancer en attaque. Avec un peu plus de 13 minutes à jouer. Xavier Black. Un lob pour Beaudin. Et là, ça sera passe avec la main. Non, on décide de laisser se poursuivre le jeu. Alors derrière son but, c'est Xavier Black. Laisse pour Jesse Carrière. Longue passe pour Black. Remet à Alexandre Legault. Tente de déborder côté. Faire momentanément la rondelle pour O'Connor. Là, c'est la menace là, du trio de Beaudin, O'Connor et Legault qui... Enfin, là, c'est Beaubois sur la patinoire avec O'Connor et bientôt Zachary Séguin. 12-22 à jouer. 6-4, Condor. La rondelle soulevée qui permet à Zachary Séguin de remplacer Félix-Olivier Beaudin. Thibault passe, touche le patin de Séguin. C'est repris par Audriscal là, qui est frapper son adversaire. Alexandre Lamar, là, tir de Séguin, arrêt de Gagné. Alors que Audriscal ne s'en laisse pas imposer. Face à Félix-Antoine Hamel Gosselin. Trio de Bourboin, Séguin et Audriscal. Et on fait appel à Leblanc et Hamel en défensive. Ah, sorti raté, là, c'est Zachary Séguin. A tenté une passe pour Audriscal et là... On lui impose une pénalité puisqu'il n'avait vraiment plus la rondelle. Il devrait être pour obstruction. Alors, une chance pour les Braves de revenir dans le match. Ils sont en retard de deux buts. Alors, le fautif, c'est Maxime Poirier. Alors, l'attaque massive des Braves, Lévesque, Zachary Roy et Audriscal. Passe à Bourboin. Vers Saint-Louis, de retour à Bourboin. Ça mène sur le flanc gauche. Tente une passe à Lévesque. C'est intercepté. Là, Audriscal. À Lévesque. Derrière le but. Audriscal vers Bourboin, mais
Il n'y avait pas d'angle. Là, c'est O'Driscoll. Vers Lévesque. Le retour frappe l'extérieur du but. C'était Zachary Roy. Quelle chance pour les Braves. On relance l'attaque. Olivier Saint-Louis. Ah, il échappe la rondelle. Et en échappé, c'est Roy et les buts. Jean-Raphaël Roy. Alors, quand on dit que plus rien ne va, les Braves qui se font marquer en... alors qu'ils étaient en avantage numérique. Rondelle échappée en zone neutre. Roy, celui des Condors, s'échappe et fait 7-4. Encore une 18 à la pénalité. On va avec Barry, Séguin et Baudin. Là, la pente va être difficile à remonter. 3 buts. Les Braves ont besoin, c'est 7-4. Xavier Black vers Zachary Séguin. Black reprend. Passe pour Baudin. Rondelle qui sort et bien failli avoir une autre échappée là, du côté des Condors. Alpha Barry. Passe à Zachary Séguin. Les Braves doivent marquer là, sur cet avantage numérique. Il reste encore 45 secondes. Séguin. Black vers Barry. Baudin devant le filet. Barry s'enlève la rondelle, mais Carrière reprend vers Xavier Black. Passe pour Séguin, ça a été dévié par le patin, par Simard. Là, c'est Jesse Carrière vers Black. Arrêt de la jambière, le retour. Et là, les rondelles qui ne pénètrent plus dans le filet. Derrière son but, Jesse Carrière, seulement 10 secondes à écouler. Côté des Condors à la dernière pénalité. Hamel. Va aller chercher sa propre passe. Hamel devant. Luat, ça a été dévié par Gosselin. Luat reprend. Tire. Par l'extérieur du poteau. Rondelle qui s'en va jusque dans le territoire des Braves. Benjamin Leblanc remet à Milan Hamel vers Rochefort. Rochefort pour Leblanc. La sortie des Condors, c'était Martel. Et Milan Hamel, c'est quand même un très bon match là, pour les Braves. Mathieu. Tente de contourner Leblanc. Là, c'est Dylan Denis qui frappe Plamondon. Et la rondelle qui sort du territoire, c'est Gosselin. 8-53 à jouer. Le temps qui commence à être un facteur important. Les Braves en déficit de 3 buts. Benjamin Leblanc derrière son but. Trio de Rochefort, Denis et Huot. Oh, bagarre là, Rochefort! Alexandre Rochefort contre Mathieu Martel, mais... on va s'arrêter là. On n'a pas eu vraiment de chance. Et là, Martel qui a fait donner une petite taloche à Rochefort derrière la tête pendant que l'officiel, le juge de ligne, retenait Rochefort. Là, il y a quelques gouttes de sang sur la patinoire. Je n'ai pas vu le début du combat, mais... ça a quand même été assez court là, comme bagarre. C'est devenu par la suite une épreuve de force. Et avec 8 minutes 25 à jouer, Alexandre Rochefort qui a pu se retenir. Là. Bataille avec Félix-Antoine Hamel-Gosselin. Non, plutôt c'est... Gosselin toujours sur la patinoire, c'est Olivier Mathieu. Alors, 8-25 à jouer. Les Braves ont quand même 36 lancés. Et depuis le début de la troisième, c'est le gardien William Gagné là, qui s'impose. Alors, sûrement que c'est
5 minutes pour bataille extrême et conduite de partie. On va jouer 5 contre 5. Alors, mise en jeu, c'est gagné par les Condors. Poirier rate complètement son lancé. Passe devant, dévié par Simon. Là, ça touche le patin de carrière et Alpha Barry amorce une attaque vers Zachary Roy. Passe à Nathan Lévesque. Il a déjà deux buts. Et la passe qui ne s'est pas rendue à Zachary Roy. Et William Gagné a fait l'arrêt. Alors, dernier match des Braves pour cette portion de saison. Là, ça se dessinait très bien. Trois fois, ils ont eu l'avance de deux buts, mais là, la troisième appartient au Condor. Tir de Xavier Black, dévié en défensive. Audrey Scull derrière le but pour Bourboin. Encore 7 minutes 40 à jouer. Bourboin frappé par côté. Attaque de Hébert. Parce qu'il ne fonctionne pas, mais Audrey Scull n'a pu capter la rondelle. Le gardien Gagné fait le tour du filet pour Simard. Et là, c'est Audrey Scull. Retenu par côté. Attaque des Condors. Là, ça, le juge de ligne était dans le chemin. Hébert. Enlever la rondelle par Bourboin. Bourboin à Séguin. Zachary Séguin. Passe à Saint-Louis. Remet à Séguin. Et sur le retour également, arrêt de Gagné au dépens d'Audrey Scull. Là, c'est le gardien des Condors là, qui fait la différence. Attaque de la mort. Échappe la rondelle pour Black. Voici. On dit qu'il y a eu trop de joueurs sur la patinoire. Le joueur des Braves qui était à moitié sur le banc et à moitié sur la patinoire. Et on juge que c'est joueur de trop. Avec 6:36 à jouer, les Braves devront évoluer en désavantage numérique. Avec un retard de 3 buts. Alors, le prochain match des Braves sera le jeudi 5 janvier, lors de la visite du Titan de Princeville. Là, c'est attaque à 5. Condor. Ils ont déjà deux buts sur l'avantage numérique. Les deux fois, Alexandre Lamar. Là, Barry pour chasse. Le défenseur côté. Attaque de Lepage. Surveillé par O'Connor, Lepage vers côté. Barry qui a failli s'échapper a intercepté la passe. Côté. Encore 1 minute 15 à l'avantage numérique. Lepage. Le met au défenseur côté. Le retour à Lepage devant. C'est Hébert qui était seul, mais il a raté sur son revers. Moins d'une minute à la pénalité. Nutt Brown pousse avec son patin vers Saint-Louis. Et là, c'est Barry qui n'a pu sortir la rondelle. Il aurait pu s'échapper. Finalement, ça se poursuit là, pour les Condors. Lepage tire sur réception de côté. Ça rate à la droite de Simon. Hébert derrière le but surveillé par Nutt Brown vers Plamondon. 30 secondes à la pénalité. Côté. Tire
arrêté facilement par Jasmin Simon avec 24 secondes à faire. Les Braves sont acculés au pied du mur, là, 7-4 pour les Condors. Les Braves qui menaient 4-2 avec moins de 2 minutes à jouer en deuxième période. Encore 18 secondes à l'avantage numérique. Gosselin. Tir de Simard. Bloqué par Séguin. Tente de s'échapper. Et c'est Lamar qui lui enlève la rondelle. Lamar veut y aller pour le tour du chapeau. Là, ça touche le bout de la jambière de Simon. Pénalité terminée. Les Verts ont besoin de 3 buts et ça... En un peu plus de 4 minutes. Le Roi qui a perdu pied. Là, c'est le Roi des Condors. Tir qui touche une jambière. Et Gosselin sur son revers. Rate la cible. Jesse Carrière avec 4 minutes à jouer. Zachary Séguin vers Leblanc. Les Braves qui n'ont... Ah, c'est Bourboin, là, qui n'est pas dangereux. Zachary Roy! Oh, il a lancé par-dessus! Il avait une ouverture dans la partie supérieure. Arrêté de justesse. Attaque stoppée par Saint-Louis vers Alpha Barry. 3 minutes 37 à jouer. Barry déborde du côté droit. Et il échappe la rondelle à la dernière minute. Barry reprend. Derrière le but pour Lévesque. Passe devant pour Odriska. Là, Barry passe dans le vide. Contre-attaque de Mathieu. Vers Jérémy Roy. Passe prévue là, par Olivier Saint-Louis. Et Barry semble en fin de présence. Et Jasmin Simon là, qui prend la bonne décision en arrêtant le jeu avec exactement 3 minutes à jouer. Les tirs sont 41-40, donc beaucoup de tirs au but ce soir. Les deux gardiens qui ont été éprouvés largement. Alors, 4 buts de suite pour le cégep de Beauce-Appalaches en troisième période qui font la différence dans ce match. Hébert, arrêt de Simon. Garde la rondelle. Un jeu qui a un peu changé la donne, là, c'est lorsque Nathan Lévesque a été frappé au visage et qu'on a pénalisé seulement Zachary Roy sur la riposte. Les Condors ont marqué sur cet avantage numérique. Et voici Roy. Zachary passe pour Carrière, mais c'est... Arrêté par Vézina en défensive. Derrière le but, Zachary Roy. Surveillé par deux Condors. Là, c'est Nat Brown. Essaye de remettre pour Séguin. Là, 3 contre 2 pour les Condors, mais l'Abbé a échappé la rondelle. Voici Poirier. Là, il n'y a plus de gardien pour les Braves. 6 attaquants. Avec 2 minutes 16 à jouer. Là, c'est Carrière. Derrière le but. Remet à Nat Brown. Un lob là, qui s'en va jusqu'à Zachary Séguin. Tire! Trop haut. Par-dessus le filet, à la droite de Gagné. Olivier Saint-Louis. Remet à Zachary Roy là, qui est sur la glace depuis un bon moment. Xavier Black, surveillé par Roy du côté des Condors. Là, Black traverse la ligne bleue. Se fait accrocher littéralement, là, c'est... Ah, il Bourboin qui a répliqué. Alors, est-ce que ça va annuler l'avantage numérique des Braves? Je crois que oui. Alors, prochain match local, le jeudi 5 janvier, face aux Titans de Princeville et...
Le lendemain, les Braves qui seront à Granby pour affronter les Inuits. Alors, ce sera la deuxième portion du calendrier. D'ici là, il pourrait y avoir des transactions. La date limite, habituellement, est le premier, le deuxième dimanche de janvier, qui serait aux alentours du 8 ou 9 janvier. Alors, jusqu'à date, les Braves qui n'ont pas fait de transaction en ont fait en début de saison, mais pas depuis que ça a été réouvert, là. C'était ouvert aux équipes. Ça va l'être jusqu'à la Bourboin qui est chassée du match. Même chose pour Plamondon, avec une 36 à jouer. Alors, c'est un peu la peine perdue pour les Braves. Une mauvaise troisième période qui ont coulé la troupe de David Rochon. Il semble y avoir un temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'on va donner comme pénalité? Il y a eu beaucoup d'échanges après le sifflet. Mais la punition initiale était pour avoir accroché du côté des Condors. On donne 2 minutes supplémentaires au Condor. C'est Nathan Plamondon. Alors les Braves qui ont la chance de au moins rétrécir la marge. Alors, grosse discussion là, entre l'arbitre et le joueur des Condors, qui est Philippe Vézina, je crois, exactement. Et au banc se retrouvera je crois que c'est Jérémy Roy. Alors, il n'y a plus de gardiens. Lévesque, Séguin, Barry, O'Driscoll, Baudin et Saint-Louis, dont 5 attaquants et un défenseur. Passe à O'Driscoll. Il reste 1 minute 30. Baudin qui a échappé, la passe de O'Driscoll. Ça rapide dans le fond du filet. Tire de Saint-Louis et Gagné là, qui ne donne plus de retour depuis le début de la troisième. Les Braves ont marqué 2 fois sur des retours. Là, Gagné qui a le dernier mot là, depuis le début de la troisième. Lévesque à la mise en jeu face à Champagne. Barry, bataille pour le 10, passe à Baudin. Baudin lui remet la rondelle. Alpha Barry. Baudin derrière le but, devant Lévesque. Séguin n'a pu compléter. Saint-Louis tire. Lévesque a tenté de faire dévier. Alpha Barry pour Saint-Louis. Et la passe a été prévue. Et heureusement, la passe à la gauche du filet ouvert. Là, Olivier Saint-Louis. Nathan Lévesque. Séguin était dans le fond du territoire. N'a pu sortir à temps. Avec 1 minute 9 à la pénalité à numéro 15, Nathan Plamondon. Seulement 45 secondes à jouer dans le match. 42-42 les tirs au but, mais manque à gagner du côté des Braves. Là, on décide de retourner Jasmin Simon. David Rochon n'est pas content. On a procédé à la mise en jeu pendant que les Braves faisaient le changement, que le gardien retournait sur la patinoire. Là, c'est Lévesque. Quand même avantage numérique Braves, alors que Séguin reçoit un bon petit coup de composite de Hébert. Voici Lévesque. Là, Simon est encore au banc. Tir de Lévesque. Arrêt de Gagné. Un 39e arrêt pour lui, puisque les Braves ont maintenant 43 tirs. Alors, Lévesque pourrait y aller d'un autre haut de chapeau. Mais là, on refuse le changement, mais
C'est une tactique, évidemment, pour gagner du temps et permettre aux joueurs en défensive de souffler un peu. Hébert perd la mise en jeu à Lévesque. Là, c'est Baudin vers Saint-Louis. Audriscoll. Alpha Barry. Retourne à Audriscoll avec 20 secondes. Tire de Saint-Louis. Et là, Hébert s'est couché devant le lancer qui a bloqué. Barry. Devant. Et là, les... Séguin qui n'a pu pousser au fond de la cage. Lévesque avec 5 secondes. Là, c'est une question mathématique. Encore un tir bloqué. On s'est sacrifié dans la dernière minute. Et là, ça pourrait mal finir. Et les juges de ligne qui viennent s'interposer. Le numéro 91, Lamar, là, qui a crié dans les oreilles de Nathan Lévesque. Alors, marque finale, les Braves, finalement, qui s'inclinent par la marque de 7-4 devant les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. On vous donne donc rendez-vous pour le prochain match qui sera en 2023. Les Braves qui vont recevoir la visite du Titan de Princeville le jeudi 5 janvier. Alors, d'ici là, on souhaite à tous les partisans des Braves et de la Ligue junior 3 du Québec un joyeux temps des fêtes. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir et à la prochaine. Donc, on est en fin de match avec l'entraîneur David Rochon. Malheureusement, il nous a passé entre les doigts à la troisième période. C'est triste à voir, mais on se demandait justement, en tant que coach, justement, on a vu que vous avez pris un temps d'arrêt quand vous avez senti le vent tourner. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui s'est passé justement dans votre tête pour essayer de ramener tout le monde, de retourner le bateau avant que ça dérape? Bien, en fait, le vent a tourné sur le troisième but adversaire en deuxième période où est-ce qu'on était sur une fin de chiffre, on a arrêté de patiner, on a mal exécuté. On a accordé ce but-là, puis ça a fait que, je veux dire que le vent a tourné là, puis au début de la troisième, j'étais surpris, mais on était vraiment pas prêt à entamer la période. Puis l'autre côté, ils sont sortis très fort, fait que, tu sais, quand j'ai pris mon temps d'arrêt, je te dirais que la barque était déjà à la dérive, puis là, je voulais un petit peu essayer de la ramener, pour au moins, t'sais, que ça glisse pas, puis essayer de reprendre nos habitudes. Tu sais, dans ce temps-là, quand tu tires de l'arrière de même par trois, la seule façon de voir, c'est de l'essayer. Mais t'sais, on n'a pas assez essayé. Là, t'sais, mais le vent a tourné de bord en fin de deuxième. C'est malheureux, mais on a quand même hâte de vous revoir l'année prochaine, en 2023, pour que justement le vent revienne du bon côté. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, puis joyeuse fête. Pareillement. Donc, on est en fin de match avec le numéro 91, Mathis Audriscoll. C'est dur, malheureusement, d'avoir un match comme ça qui nous passe entre les mains en dernière période. Comment qu'on fait en tant que joueur, justement, pour continuer à pousser et se battre jusqu'à la dernière seconde? Bien, comme tu dis, on avait bien commencé, tu sais, en première période, 2-0. Après ça, deuxième période, pas si pire, mais c'est vraiment la troisième période qu'on l'a échappé. Fait que c'est vraiment, je pense, en tant que joueur, c'est vraiment s'encourager sur le banc, encourager tes coéquipiers, être là un pour l'autre pour vraiment essayer de surmonter ça. Mais en soi, ça n'a pas marché. On va se reprendre après Noël. Oui, bon, on a hâte de vous voir l'année prochaine. C'est une belle marque de leadership, puis félicitations. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite, la deuxième moitié de la saison. Merci beaucoup, Joël. Merci, Père.